Allez, c'est parti. Du coup, on va découvrir enfin Extraventure, le parc de Waydrix. Là, je vais faire le professionnel à dire, ah là, c'est pas réaliste et tout. Non, mais du coup, j'ai pas le droit, du coup, vu que c'est un pro. Alors, oh, on est dans une... C'est alpestre, c'est ça? Ça m'a l'air tout bonnement sympathique. Coming soon, ok. L'attraction qui tourne, qui s'appelle Cliff Express, la tour de combat. Tes vidéos d'il y a un an étaient incroyables sur Eurotruck. Merci beaucoup, Lucas. Mais elles le sont plus aujourd'hui, mes vidéos sur Eurotruck. Metaverse Castle. Oh, stylé. Nice, nice, nice. Ah ouais, là, c'est carrément le Metaverse. Et wesh, niveau sensation, ça y va, là, quand même. Ouais. J'avoue, c'est stylé. Allez, j'avoue, c'est stylé. J'avoue que ça me ferait plaisir de le faire dans la vraie vie. Voilà, je le dis, ça me ferait plaisir de le faire dans la vraie vie. Voilà. Sympa. Ah, ok. Je m'incline. Ah, la statue. T'insinues que je suis gros? Ah, bah merci pour le clin d'œil. Hein. Ça fait plaisir. Bonjour, madame. La petite file d'attente. Oh là là. Là, tu te prends toute la poussière dans les yeux. Hein. Voilà. On va pas tout faire. Ah, c'est un boomerang. Je connais pas. C'est un boomerang. SLV. Ah oui, d'accord. Oh, c'est trop stylé. Oh, et ça chevauche les bûches. Alors ça, tu sais que j'adore quand les attractions se chevauchent. C'est un boomerang. T'as vu comment je m'y connais, moi? Je suis un coaster fan, moi. Ça fait penser à Objectif Mars au Futuroscope. Oh putain, elle s'est penchée là quand même. Ça va partir. Oh là. Oh, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout. C'est pas contre toi, mais ça, je voudrais pas le faire. J'aime pas quand ça va à l'envers. C'est dans ce sens-là. Ok. Ah, Catherine, elle aime bien. Elle a l'air de bien rigoler. Ok, ok. Après, c'est le retour. Là, oh, les auto-tamponneuses. Alors, franchement. Et... Oh, c'est super sympa. Pour moi, dans les parcs d'attractions et dans les fêtes foraines, là où il y a les auto-tamponneuses, il y a que de la racaille. Non, je rigole. Là, dans ce cadre, t'imagines moins les mecs fumer du bédo, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est... Mais il est super bien disposé, ton parc. J'avoue, il est super bien. C'est pour ça que j'ai mis des buissons. Il est super bien disposé, ton parc. Ah, mais il est là, l'entrée, putain. Oh, j'avais pas compris où était l'entrée, j'aurais dû commencer par là. C'est toi qui as fait la vidéo? Pas du tout. Ah, mais ça, c'est un vrai manège aussi. Oh, putain, il a mis un manège. Oh, mais c'est génial d'avoir mis un... Oh, bah, alors là, franchement, avoir chevauché les deux attractions, c'est du génie. Je sais pas si ça se fait aussi proche, mais c'est stylé. C'est parti, c'est parti. Lâchez votre plus beau pouce bleu, parce que c'est la couleur de l'attraction. La montée est... Le lift est super rapide. Let's go. Oh, les petites montagnes derrière. Hop là, on passe dans les arbres. Hein. C'est un peu dangereux quand même. Ah ouais, c'est stylé. Hein. En vrai, c'est stylé. Hein. Ah, tu vois, par contre, en vrai, je suis désolé, hein. Mais du coup, c'est pas une critique qu'on peut que me faire. C'est-à-dire que vraiment, il y a des trucs qui sont pas fluides, mais on peut rien y faire. C'est le jeu qui est comme ça, on est d'accord. Les bûches, ça a l'air très 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 sympa. C'est merveilleux. La première montée qui nous attend. Oh, et puis l'attraction juste à côté, c'est trop mignon. Et oh, c'est trop bien dans les bois comme ça. C'est tout merveilleux, c'est tout fantastique. J'ai envie d'y aller, voilà. J'ai envie que ce parc existe dans la vraie vie. J'ai envie de retourner à Europa Park aussi, rien à voir, mais là du coup ça me donne envie, voilà. Ça m'a fait penser à Arthur et les Minimoys, voilà. Salut Maxou, ça va et toi? Super. Voilà. Ah oui, bah c'est flippant ça, ton truc là. Les sorcières là. Allez, c'est parti. La descente. Let's go. Par contre, j'ai vu des confettis. J'ai vu des confettis tomber. Et ça, c'est pas réaliste. Tu mets pas des confettis dans l'eau et tout, après c'est... Ah non, fais pas ça. Et là, je sais, dans les commentaires, il y en a qui vont dire « Ah, Mkolo, t'es chiant là, dire que c'est pas réaliste. » Non, mais c'est pour la vanne, les gars, c'est pour la vanne. Oh là, super stylé. Wesh. Alors là, je m'incline. Alors là, je m'incline. Et le parcours est très sympa. Nouvelle descente.
futur. Là, on vient de changer d'univers. C'est incroyable. Sympa, hein. Aïe. Franchement, j'aime bien. Je valide. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que vous en pensez du bien, mais je valide. Clairement. Allez, la grande descente, je pense. Ah oui. Oh là, et la fin, elle est brutale quand même. Alors, le virage, brutal du coup, hein. Si j'ai pu me permettre, entre nous, laisse-moi le temps de reprendre de la descente. Ça fait des fausses notes par ici, hein, je reconnais. Hein. Tu regardes quoi là avec ta longue vue? Tu regardes pas là où il faut. Tu l'as vu, mon cul? Sympa en tout cas. Le seul truc que je peux reprocher, puisque j'ai le droit, je pense, de donner mes avis et mes critiques, hein, si vous avez le droit de le faire sur moi, bah, j'ai le droit de le faire sur vous aussi. C'est ici que le virage y est tout de suite. Alors que, enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah bah attendez, on va voir un deuxième exemple. C'est pas un problème, hein, que ce soit brutal, mais... Mais tu vois, en fait, le moment où ça refait une deuxième fois, c'est quand t'es dans le virage. Et ça, ça me gêne un peu. Mais c'est juste pour trouver un truc à dire. Et sinon, au début aussi, mais c'est juste là, l'herbe. Voilà, bah après, il suffit juste de recreuser, quoi. Voilà, c'est tout. Mais par contre, vraiment, pour le reste, ultra stylé, hein, je valide. Ah, là, clairement, je valide. Vraiment super bien disposé. Voilà, ça j'aime trop, comme... C'est super cool. Et ça, pour une attraction qui fait fête foraine, bah, du coup, il l'a super bien thématisé, quoi. Ah, j'aime beaucoup. J'ai envie de le faire, là, du coup, dans la vraie vie. Même si c'est tout aussi effrayant que si c'était en fête foraine, mais... c'est incroyable. Non, franchement, je valide de ouf. Et là, c'est quoi? Une petite place. Ah bah comme à... Bon elle est très petite du coup. Mais c'est... Ouais c'est sympa. Ah oui mais t'as l'attraction. En fait c'est pour te faire vomir dessus. Ces gens là ils passent, ils te vomissent dessus. Et en fait c'est pas de l'eau là, c'est du vomi. C'est génial. Incroyable. Ce parc est super, ouais ils sont contents. Et bien voilà les amis, bah écoutez c'est là dessus qu'on va se quitter. C'est un peu moins accueillant ici hein, forcément. Trop stylé. Bah écoutez les amis, hop, c'est là-dessus qu'on va se délaisser. En tout cas, moi j'ai bien apprécié.